Fidèles téléspectateurs, au nom de Jésus, je vous salue. C'est un bonheur de vous retrouver par ce moyen. Je vous souhaite la paix qui vient de Dieu. Veni Sancte Spiritus, replet tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Tout projet n'a de sens que par sa finalité. Pas de finalité, pas de projet. Les anglo-saxons ont deux types d'objectifs. L'objectif de moyen, pour nous chrétiens, c'est de recentrer notre vie sur la parole de Dieu. Et cet objectif de moyen nous permet d'atteindre l'objectif de fin. Et pour nous chrétiens, l'objectif de fin, c'est le royaume de Dieu. Justement, je vous resitue dans la troisième partie des cinq que compte l'évangile selon saint Matthieu. Cette troisième partie est intitulée « Le mystère du royaume des cieux ». Les cinq parties du premier évangile dans l'ordre biblique sont organisées en sections. Et il y a 12 sections. Les sept paraboles du royaume, le semeur, l'ivré, le grain de sénévé, le levain, le trésor, la perle, le filet, sont la septième section de l'évangile. Après Jésus rejeté par cette génération, sixième section, et avant Jésus reconnu par ses disciples, huitième section. Ce soir, je vous propose d'aborder avec moi l'horizon imagé des sept paraboles du royaume. Nous retenons la première, le semeur, et la deuxième, l'ivraie, pour nourrir notre méditation pendant trois vendredis. La parabole du semeur. Je m'en vais vous faire lecture de ce beau texte. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil montant, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Qu'est-ce qu'une parabole, fidèle téléspectateur? Une parabole, c'est un mode littéraire qui procède par comparaison et par énigme. Le but de la parabole n'est pas simplement de fournir une illustration, mais d'inviter à chercher une signification, un sens profond. Et pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Jésus lui-même a répondu aux disciples qui, un jour, lui ont posé la même question. Il dit parler en parabole parce que la plupart des gens voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jésus finit souvent ses histoires adhésives par ce propos interpellatif. Entendre qui a des oreilles. Il sous-entend qu'il en existe qui n'ont pas d'oreilles. Ce qui est d'ailleurs assez grave comme remarque. Jésus vient de faire remarquer à ses auditeurs
que les liens de la parenté charnelle passent après ceux de la parenté spirituelle. Donc les paraboles s'adressent surtout à nos oreilles spirituelles. Elles s'adressent à notre cœur, au cœur de chacun, pour l'inviter à la vraie conversion. En effet, la seule sécurité véritable consiste dans un retour à Dieu et dans la confiance en lui seul. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu, le Saint d'Israël, déclare le prophète Isaïe. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Mais vous ne voulez pas, vous avez dit non. Selon la Bible, écouter, c'est obéir. Avoir des oreilles, c'est être apte à comprendre. Mais c'est aussi pouvoir se les boucher et les rendre incirconcises. Le prophète Jérémie fait entendre sa désolation à propos. À qui dois-je parler? Devant qui témoigner pour qu'ils écoutent? Voici, leur oreille est incirconcise. Ils ne peuvent pas être attentifs. Voici, la parole de Dieu leur est un objet de moquerie. Ils n'y ont plus goût. Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc nous rapporte aussi le propos du diacre Étienne à l'endroit de ses compatriotes juste avant sa lapidation. Nucred, dit-il, oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Il résiste à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, poursuit Étienne, tels vous êtes. Cela veut dire qu'il résiste à la parole de Dieu proclamée par Moïse et les prophètes. Quand un homme n'a pas d'oreille spirituelle pour entendre et comprendre la parole de Dieu et qu'il l'entend, son cœur frémit de rage. Elle grince des dents contre celui qui la proclame. Étienne, homme rempli de grâce et de puissance, dont personne n'est de force à tenir tête, la sagesse et l'esprit qui le faisait parler. Étienne sera donc victime de la surdité spirituelle, qui est un refus catégorique de conversion. Si Jésus a ouvert les oreilles des sourds, c'est pour symboliser l'action de Dieu qui éveille l'oreille, en sorte que des paroles peuvent s'accomplir aux oreilles. Et Jésus dit à ses propres parents dans la synagogue de son village, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Un peu avant cela, Élisabeth nous raconte son expérience lors de la visite de sa cousine Marie. « Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Pour Élisabeth, comme les gens du village de Jésus, la réaction est très positive. Élisabeth est dans l'allégresse, et même l'enfant dans son ventre a aussi tressailli de joie. Quant aux gens du village de Jésus, tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais je pense que la santé des oreilles spirituelles doit être entretenue. Lorsque l'on aime entendre de bonnes choses, les paroles pleines de grâce, sans aimer entendre la vérité. En effet, tout de suite après, dès que Jésus commence à leur dire certaines vérités, les oreilles ouvertes se referment aussitôt. Luc rapporte que tous dans la synagogue furent remplis de fureur et se levèrent pour commettre un meurtre, ce qui ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Ses propres parents de son propre village, qui l'admiraient à l'instant, changent de cœur à 90 degrés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'écoute spirituelle peut être aléatoire. C'est un signe de trouble spirituel.
C'est l'indice d'une conversion pas réelle et cela perdure dans nos églises. Je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué, mais moi je remarque que Jésus ne raconte pas une parabole entre quatre murs, comme à la synagogue. Aujourd'hui, pour la parabole du semeur, Luc donne une précision de taille qui peut passer inaperçue. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Certainement qu'il cherche le conditionnement idéal pour le message qu'il veut transmettre. Au bord du lac, il fait aussi plus frais que dans la maison où il se trouvait. Ça va de soi. Bien évidemment, la chaleur ne favorise pas l'écoute. Jésus est un fin stratège. Il prend en compte tous les détails qui travaillent à favoriser l'écoute et la compréhension. Les foules nombreuses adhèrent d'ailleurs et de manière immédiate à sa perspective. Et Luc nous dit qu'elles s'assemblèrent auprès de lui. Fidèles téléspectateurs, lorsque vous avez un message important à transmettre au vôtre, ce serait bien d'essayer parfois de sortir de vos habitudes d'abord pour rencontrer l'immensité de Dieu et donner ainsi à vos propos une dimension d'infini. Toujours entre quatre murs, nos angles de vue perdent en largesse. Pourquoi pas même monter et s'asseoir en barque? Cela pourrait donner de nouvelles saveurs à la fraternité, à l'amitié, à l'affection, au sentiment et à l'attachement réciproque. Cela pourrait aussi donner à l'intelligence de nouvelles ouvertures, plus précises et plus profondes. On a la possibilité d'imiter Jésus en tout. L'Évangile nous en donne les moyens. Jésus était dans une barque, donc dans le lac, et la foule se tenait au rivage. Cet écart physique est important. Pour bien saisir la parole de Dieu, il faut entre Jésus et nous une distance aérée de respect, d'attention, d'intérêt, de désir et d'action. L'attention est primordiale. Jésus attire l'attention, tous les regards convergent vers lui. Quelqu'un peut nous donner son temps sans nous donner son attention. Une fois l'attention attirée, on montre leur intérêt. Quel intérêt de faire ceci ou cela? Ensuite, quel est le désir? Le désir n'est pas un besoin, le désir reste irrationnel. C'est dans ce cadre idéal de plein air et dans une atmosphère détendue que Jésus livre son message. Il crée des images mentales dans la tête de ses auditeurs. Voici que le semeur est sorti pour semer. C'est la première phrase du récit. C'est l'image qui lance le film. Il est important de nous arrêter sur cette phrase, puisque nous nous sommes arrêtés en amont sur la dernière. Entende qui a des oreilles. Par cette petite phrase de Jésus, nous entendons et comprenons que le semeur n'est pas resté chez lui. Il est sorti de chez lui. L'action de semer se fait donc ailleurs que d'où il est sorti. Jésus nous dit aussi que la raison pour laquelle le semeur est sorti, c'est bien pour semer. Il est en cohérence avec son nom et avec sa vocation. Il ne fera rien d'autre que cela. Et comme il semait, des grains sont tombés à quatre endroits différents. Au bord du chemin, sur les endroits rocheux, sur les épines, enfin sur la bonne terre. Nous ne savons pas si c'est le semeur qui les a intentionnellement laissés tomber ou s'ils sont tombés d'elles-mêmes. Le semeur, tout de même, ne gaspille pas sa semence. Mais enfin, je pense que ce qui est plus judicieux pour nous serait certainement de nous arrêter sur chaque endroit qui accueille les grains. Le premier endroit qui accueille le grain, c'est le bord du chemin. Les grains ne sont pas tombés sur le chemin. Les grains sont tombés au bord du chemin. Il y a une nuance de taille.
qui est ici très intéressante. Si le semeur marchait sur le chemin, il n'y a pas de raison que des grains tombent au bord du chemin. Ce qui signifie que nous pouvons retenir pour le moment que l'acte pourrait être intentionnel de la part du semeur, qui souhaite à coup sûr expérimenter tous les endroits. En plus, dans l'explication de la parabole, Jésus n'utilise pas l'expression « des grains sont tombés ». Il utilise plutôt l'expression « celui qui a été semé » en parlant du grain. Le semeur a sa première réponse. Au bord du chemin, il n'y a aucun résultat. Rien n'a poussé, parce que les grains n'ont pas échappé à la convoitise des oiseaux qui sont venus tout manger. En expliquant la parabole à huis clos aux disciples, Jésus nous révèle que le semeur, c'est Dieu. La semence, c'est le royaume des cieux. L'ennemi premier de la parole de Dieu semée en nous, c'est l'ignorance. L'ignorance ne procure aucune joie. Elle engendre l'incompréhension et la confusion. Et le mal prospère dans tous les horizons où dirige et s'active l'ignorance. Entre ces niches où règne le clair-obscur, ceux qui entendent sans comprendre aiment bien se tenir. Alors gouverne, la parole de Dieu déclare, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Il ne s'agit pas simplement de paroles oiseuses, mais de paroles mauvaises, en somme de calomnies. Les grains tombés au bord du chemin ne sont pas mangés par ceux qui marchent sur le chemin. Ils sont picorés à l'intégralité par la jante ailée des êtres qui volent et qui volent. Ce sont des esprits prêts à faire main basse sur la semence du royaume que Dieu a laissée dans nos cœurs malades et compliqués. Beaucoup entendent la parole de Dieu sans la comprendre vraiment. Et cela inquiète Jésus qui demande souvent ceci. Comprenez-vous vraiment ce que je viens de faire ou ce que je viens de dire? Aussi longtemps que l'on se tiendra au bord du chemin spirituel, on sera toujours exposé et vulnérable au mauvais. Entendre et comprendre la parole de Dieu, c'est un abri sûr. La parole de Dieu est un bouclier parfait et éprouvé pour qu'il trouve en elle refuge. La parole de Dieu chasse la peur et avec elle, aucune créature ne peut rien me faire. Qui plus est, la parole de Dieu travaille contre le péché. Elle est l'ennemi de la mort. Elle fait échapper à la tombe par sa puissance de guérison. Elle offre sagesse, connaissance, intelligence. Elle augmente les années lorsqu'on lui fait bon accueil. Elle purifie lorsqu'elle est annoncée. Nous rappelons que face à la parole de Dieu, la Bible attend de nous des attitudes précises. Être attentif, tendre l'oreille, irriver nos yeux, la garder au fond de notre cœur. Mais si l'on s'entête à l'entendre sans chercher à la comprendre, on perd toutes ses faveurs de protection. La recommandation est claire. Il faut donner une plus grande place à la parole de Dieu, notamment à la méditation par la lectio divina. Quand ces pratiques sont absentes d'une famille ou d'une communauté, cette famille ou cette communauté est exposée au mauvais. La nature a horreur du vide. Si Dieu ne nous parle pas, un autre que lui se fera le plaisir de nous parler. La deuxième terre, les endroits rocheux. Le semeur a aussi semé du grain sur des endroits rocheux. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Ça a vite poussé
parce que la terre qui l'accueille n'est pas profonde. Or, la jeune pousse a besoin de s'enraciner progressivement de manière profonde dans la terre. Pas de racines, pas de croissance. L'ardeur du soleil viendra en finir avec cette jeune pousse sans racines. En expliquant la parabole à huis clos aux disciples, Jésus nous révèle que le second ennemi de la parole de Dieu semée en nous, c'est la superficialité, le manque de profondeur spirituelle. On est joyeux d'accueillir la parole de Dieu, mais on ne cherche pas, outre mesure, à l'enraciner dans notre vie, à la planter au plus profond de notre être. Nous vivons les événements avec euphorie. La foi n'est pas un sentiment. L'engagement chrétien n'est pas un sentiment. La consécration n'est pas un sentiment. La sainteté n'est pas un sentiment. C'est un puissant état d'esprit. Aussi longtemps que l'on sera dans la superficialité spirituelle, nous resterons au statu quo. La parole de Dieu ne peut pas prospérer en nous. Il nous faut oser un sérieux travail de conversion véritable. Arracher les cailloux et les roches qui se sont sédimentés dans notre cœur au point de le rendre imperméable à l'action de Dieu. Si nous le permettons, le Seigneur veut ôter de nous notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. C'est une nécessité, une question de vie ou de mort, que d'assouplir notre cœur souvent atteint par les ardeurs de la vie et de ses combats. Souvent, nous avons de vraies raisons de nous fâcher et même de sévir contre ceux qui nous font du mal. Mais nous ne pouvons pas avoir raison de vivre de cette manière lorsque nous appartenons au Christ. Son amour est plus fort que la haine et la mort. Saint Paul l'a bien compris lorsqu'il déclare « Je ne veux plus rien savoir au milieu de vous que Jésus-Christ crucifié. » Il est nécessaire de passer par un travail personnel d'intériorisation de la parole de Dieu. Il faut qu'elle plante ses racines dans notre cœur. Il faut qu'elle plante ses racines dans notre âme. C'est ainsi qu'elle peut nous transformer de l'intérieur. Et nous devenons doués de Dieu. Nous pourrons, comme l'apôtre Paul, nous interroger avec assurance. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. En tout cela, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Elle est vivante, permanente et féconde. Elle est profonde en nous parce qu'elle transperce l'âme, l'esprit, la moelle, les dispositions intérieures et les pensées du cœur. Elle est éternelle, ne change pas, ne passe pas, ne disparaît pas. Elle subsiste toujours, elle ne se dessèche ni ne flétrit. Entendre la parole et l'accueillir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut surtout la garder en lieu sûr, comme un dépôt. Mieux, il faut en vivre. La Bible dit que l'homme qui se plaît dans la parole de Dieu ressemble à un arbre planté près des ruisseaux, qui donne du fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Jésus lui-même déclare « Heureux » et reconnaît comme ses parents ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent pour la mettre en pratique. La deuxième recommandation est aussi claire. Il nous faut absolument désencombrer notre cœur de tout ce qui le sclérose, surtout des souvenirs lointains et douloureux qui produisent beaucoup de ressentiments et de colère.
Il nous faut désencombrer notre cœur de tout ce qui est parcelle de jalousie et de méchanceté. Le Seigneur Jésus peut nous aider à marcher vers la guérison intérieure. L'oraison est une solution parce qu'elle est une participation au mystère de Dieu. L'oraison nous prépare à rencontrer le Seigneur. Et la pratiquer de manière correcte demande une dose d'humilité et de courage pour descendre à l'âme de notre cœur et au cœur de notre âme, dans la conscience et la confiance que quoi qu'il arrive, il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. C'est la raison qui fait que, au milieu des tribulations et des persécutions, venant même de ma propre famille et de mes proches, je recherche toujours la compagnie du Seigneur, source d'action de grâce. Le silence et la paix intérieure que le Seigneur me donne par sa présence me prouvent qu'il est plus proche de moi que moi-même. Fidèles téléspectateurs, la prochaine fois, nous parlerons des grains tombés dans les épines et des grains tombés dans la bonne terre. Deus qui cordia fidelium sancti spiritus, illustratione doquisti, da nobis in eum dem spiritu, recta sapere, et eus semper consolatione gaudere. Seigneur, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'éprouver toujours la joie de son réconfort. À vous tous, je souhaite un bon repos dans le Seigneur.